Comment s'est passé le stage ce matin? Oh, très bien. C'est pas mal, très bien. Ça fait mal, mais... Voilà. Vous êtes fait mal? Bah non. Enfin, c'est dur. Les technico-salles qui ont été démontrées, pas trop compliquées? Non, ça va. Donc il y a quelqu'un qui compte reproduire les techniques de Cyril? Oui, moi. Et c'est des renversements que vous faisiez déjà? Non, on a appris... C'était nouveau pour vous aujourd'hui? Non. Oui. Donc comment t'as trouvé le stage ce matin? Oh, c'était bien. Tu le faisais déjà le retournement que Cyril a montré? Non, je l'ai fait, mais je l'ai fait pendant mes combats, ça a bien marché. C'est efficace? Ouais. C'est simple. Alors, comment s'est passé le stage ce matin? Super. Super. Très bien encadré. Il fait un peu chaud. Oui, bah ça c'est normal après les randonnées. Oui, mais même avant il faisait déjà chaud. Donc voilà, on apprend plein de techniques, on partage beaucoup avec les jeunes qui ont déjà des ceintures noires, voire des danes. Donc très enrichissant. On reconnaît les athlètes là. Il est l'heure de la phase des étirements. On essaye. Donc comment s'est passé le stage ce matin? Très bien. Ça sera bien. Ça sera bien. Ça sera mieux. Déjà ça sera doux, ça sera plus corsé. Ouais. Ouais, il y avait déjà un petit peu d'intensité là ce matin. Au sol, ouais. Je trouve que c'est intéressant ce qu'on a vu. On va plus remettre en pâte. Oui, donc bonjour à tous. Donc le stage cette année, nous avons invité, c'est la troisième édition. Il y a 2 ans, nous avions invité Benjamin Darbelay qui était vice-champion olympique et Lucie Louette, championne d'Europe. L'année dernière, c'était Autant Pavia qui a fait 3e aux Jeux Olympiques et Mathieu Daffreville 5e. Et cette année, donc, nous avons l'honneur d'accueillir Cyril Marais qui vient de faire 3e aux Jeux Européens à Bakou. Et Marine Richard qui est entraîneur maintenant et championne d'Europe par équipe de club. Donc voilà, le but c'est de faire découvrir à plusieurs personnes, voilà, c'est ouvert à tous les licenciés FFJDA. Donc voilà, le but c'est venir partager un peu son sport et les champions partager leurs meilleures techniques. Ce matin on a eu le droit à Cyril Marais qui nous a fait découvrir son bras de tête qui l'a mis plusieurs fois en compétition. Et cet après-midi Marine va nous faire voir une petite technique de bout. Oui, donc là on accueille des gens de toute la France en fin de compte, hein, parce qu'on a des jeunes qui viennent de Toulouse, on a aussi des étrangers, on a une personne qui vient du Luxembourg. Après ça se concentre vraiment dans le Nord-Pas-de-Calais, mais il y a aussi quelques gens de Paris, ça vient vraiment de toute la France. Bah là c'est vrai que l'aide, on se débrouille on va dire entre nous et on a eu quand même quelques contacts, on remercie beaucoup, c'est T-Sport qui nous a offert tous les maillots pour les petits jeunes du club qui ont participé au stage, Intermarché Q qui nous a fourni les boissons, les pêcheurs d'étape qui vont inviter Cyril et sa compagne pour faire découvrir les petites saveurs de la Côte d'Opale, et bien sûr la mairie d'étape qui nous prête les lieux gracieusement, et notre petite revue GNK Magazine pour les petits jeunes le soir, voilà, pour les occuper, parce que les jeunes, il faut les occuper le soir, donc j'espère qu'on apprend beaucoup aussi avec ce petit livre. Plus ambitieux, non, j'espère qu'on va garder la même dynamique, hein. C'est vrai que c'est le 3e stage, l'année prochaine, il va falloir trouver de nouveaux champions, c'est vrai que c'est difficile, parce que on sait que les champions, moi j'ai eu l'occasion d'être champion et d'être en équipe de France, c'est vrai qu'on a le planning qui est assez chargé.
Donc on surfe là-dessus et j'espère que l'année prochaine je vais trouver deux autres champions qui vont jouer le jeu avec nous. Et c'est vrai que pour les jeunes, voilà, ça renouvelle souvent hein, parce qu'on peut voir, comme on parlait tout à l'heure avec l'Advent au sport, elle disait oh bah tiens, je les ai vus l'année dernière et voilà, le but c'est tout le monde aime le stage et découvrir d'autres champions et découvrir de nouvelles techniques et se faire plaisir avant tout parce que le judo voilà c'est la famille et on s'amuse. Le programme était assez chargé hein, parce que comme tout à l'heure je disais c'est 2 jours et demi de stage donc le but voilà pour moi le but c'est d'être fatigué, que les parents les récupèrent le dimanche après-midi un peu cuit. Et c'est vrai que la journée d'aujourd'hui, 7h du matin, petit footing, 9h30 judo, 14h petite activité sportive pour ceux qui voulaient. Après on a vu qu'aujourd'hui ils étaient un peu fatigués, donc on les a laissés un peu libres. 16h judo. Donc je pense qu'à la fin du stage, ils vont en avoir pris des belles, mais ils vont être aussi fatigués. Tout à fait, on commence de Benjamin à senior, et voilà, des Benjamin compétiteurs, des Benjamin loisirs, des seniors compétiteurs, des seniors loisirs. Voilà, c'est vraiment diversifié, c'est un stage où on est là pour se faire plaisir, on va pas, même si je reconnais les gens qui ont envie de faire un peu de compétition, je les pousse un peu plus. Mais c'est vrai qu'on est là pour s'amuser, se faire plaisir, c'est le but. Hein. On est avec Tony, Jean-Louis, Cyril et Marine pour s'amuser et apprendre le plus possible au jeu. Voilà, vive le judo, on est là pour s'amuser, se faire plaisir, même si le judo on sait que c'est dur, et on est là, on s'amuse et c'est le principal. Bon mais bonjour, je m'appelle Richard Marine, donc je suis retraitée d'athlète de haut niveau. Donc maintenant j'entraîne le club de Maison Alfort avec l'équipe de première division. J'ai été donc athlète sportive de haut niveau en moins de 52 kg. J'ai arrêté il y a 2 ans. Donc j'ai été en équipe de France, j'ai été 3e au 3 de Paris, vice-champion du monde par équipe, champion de France première div et après d'autres résultats internationaux. Donc Mathieu m'a invité sur le stage. Avec grand plaisir, j'ai participé. Mathieu, je le connais de longue date. J'ai pratiqué le tatami avec lui à l'INSEP. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté son invitation pour lui donner un petit coup de main aujourd'hui avec les athlètes. Voilà, donc tout à l'heure je ferai une partie technique, mon spécial, qui était Iponko Chigari. Donc oui, cette technique m'a servi à remporter quelques médailles. Donc voilà. Donc je remercie Mathieu pour cette invitation et lui souhaite bon courage pour la suite. Bonne chance Mathieu. Bonjour, Cyril Marais, catégorie moins de 100 kg. Donc je suis 3 fois médaillé européen, 3 fois 3e au championnat d'Europe en moins de 100 kg. J'ai été 3 fois champion de France, 2 fois en moins de 100 kg, 1 fois en plus de 100 kg. Aujourd'hui, c'était pour moi une fierté de pouvoir venir organiser avec Mathieu ce stage à Étaples. Mathieu, c'est sa 3e édition, j'aurais pas supporté d'être invité en 4e ou 5e ou 6e position, voilà, il fallait que je sois le 3e. Ça a été Lulu avant, elle a été championne d'Europe, ça a été Automne en 2e position qui a été médaille olympique, donc forcément je passe après, mais j'aurais pas voulu être après, non mais c'est une plaisanterie bien entendu, mais voilà, je suis très satisfait de venir ici à Étaples, c'est pas la première fois que je viens bien entendu, parce que je suis très bon ami avec Mathieu. Mais je suis très content de venir sur ce stage. Voilà. Ce matin, j'ai montré mon spécial au Nevoza. C'est un bras-tête. Un bras-tête très simple avec plusieurs kuzure. Kuzure en japonais, c'est variante. C'est des variantes. Je pense que les jeunes ont été très attentifs à ce que j'ai démontré ce matin. Certes, je viens ici en tant que champion. C'est compliqué par rapport à... Enfin, c'est compliqué entre guillemets. Parce que les jeunes aujourd'hui savent que Cyril Marais fait partie de l'équipe de France. Ils savent que j'ai fait un très bon résultat au tournoi de Paris vu que j'ai gagné l'année dernière. Mais aujourd'hui, c'est compliqué pour moi de me faire inviter par Mathieu Bataille dans son propre dojo. Alors qu'il a un plus gros palmarès que moi. Le champion aujourd'hui, c'est Mathieu, certes. Et on vient là avec grand plaisir, avec Marine... assister
à ce stage. Voilà. Donc c'est un immense plaisir et une grande fierté pour moi de me faire inviter par Mathieu sur son stage. Mathieu, c'est un ami avant tout. Donc je le remercie de m'avoir invité. Aujourd'hui, un petit clin d'œil bien sûr à Mathieu pour tout ce qu'il fait au club d'étape. Et puis une nouvelle fois, je le remercie pour m'avoir invité aujourd'hui. Ah, impossible. Ah. Ah.